Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un petit test de jeu sur The Way of Life, donc qui est un jeu assez sympa, gratuit, qui vous permet de voir la vie de trois points de vue différents, c'est-à-dire d'un enfant, d'un adulte et d'une personne âgée. Et donc vous avez plusieurs portes à chaque fois et différentes histoires. Donc là j'ai pas réussi à ouvrir la porte. Donc on peut voir différemment la vie. Là on va aller voir du point de vue d'un monsieur pour voir ce que ça fait. Et donc vous avez plusieurs c'est une aventure comme vous voyez un petit peu bizarre et il y a des petits textes là, par exemple ça dit qu'il se sent en paix avec lui-même et tout ce qui est mal en fait semble avoir disparu, donc il n'y a que les choses bien qui sont là. Donc on voit son lit, donc il doit aimer dormir. Les tableaux et plus on avance il y a des portes donc différents. Des fois je suis déjà tombé sur des espèces de petits monstres, donc des activités où il fallait sauver une famille. Il y a des activités là qui sont un petit peu plus, on va dire, loufoques, différentes, mais c'est quand même sympa à voir. Donc là il dit que ce monde est plein d'opportunités, plein de portes, donc beaucoup d'opportunités. Par contre, il y a une chose spécifique qu'il veut, et ce sera à mon avis au bout de ce chemin. Mais on va quand même essayer d'aller choper une autre porte au cas où, j'en sais rien si c'est possible. Peut-être pas la première. La bleue là, elle a l'air pas mal, on va l'essayer. Hein, on l'appuie, non, en haut. D'accord. Ah, bon. Ok. Bon, ben, on peut pas trop rentrer dans la porte, ce qui est un peu dommage. Mais ce qui est bien, c'est qu'on meurt pas de toute façon, donc c'est pas un truc chiant. Répétitif, donc ça va. Oula. Voilà. Et donc, on va essayer d'aller au bout de ça et on verra ce qu'il y a. Sûrement, sûrement une porte. Ouais, voilà, une porte, comme je l'avais imaginé, qui va nous emmener à un endroit bien spécial. Donc vous voyez que le monsieur l'a joué avec de l'argent et il est à son travail et il y a de l'argent qui tombe du ciel. Donc intéressant. Et je sais, par contre, voilà. Alors ça c'est son travail. Il se demande pourquoi les gens sont aussi excités et c'est parce que vas-y pousse-moi toi, hein, connard. Allez, juste gros tas de merde. Et je crois qu'il faut ramasser de l'argent. Donc on va ramasser de l'argent, comme ça a l'air sympa. Donc là, mais celui-là, je pense pas qu'on puisse le prendre. Les autres, on y arrive quand même. Et il y a plusieurs portes, donc je sais pas si on peut prendre les portes ou pas. Après, c'est plein de petits mini-jeux comme ça. C'est plus pour vous expliquer. Enfin, pour vous expliquer. Des fois, c'est un petit peu incompréhensible, mais il y a un sens bien particulier à chaque activité, à chaque chose. Et certaines peuvent être très bien, comme certaines peuvent vous paraître plus énervantes. Là, on voit que ouais, graphiquement, il y a des trous. Hein, mais à moins que ce soit fait exprès. Mais c'est assez. Enfin, c'est amusant comme jeu. On va pas faire que de ça. Hein, on va essayer d'ouvrir les portes pour essayer de passer à une autre salle, peut-être. Ou sinon, on reviendra au menu faire autre chose. Hein. Je vous cache pas, on fera autre chose. Hop, j'aime l'argent, quoi. Voilà. Bon, vous savez quoi, je vais faire une petite éclipse et je vais vous dire à tout à l'heure en fait quand on sera revenu de notre voyage. Voilà, donc on a choisi un autre chemin et on a pris le petit garçon. Donc pour voir ce que bah, dans quel monde ça va nous amener. Donc, ça nous amène dans une maison, dans la chambre d'enfant. Donc, je ne puis plus supporter ça encore. Maman et papa se fight again, se battent encore. Qu'est-ce que je viens pouvoir faire pour les aider? Donc, hop, d'accord. Il y a un ballon aussi. Si on appuie dessus, ça le fait voler. Voilà. Hop, et plusieurs choses. Donc, le mec a un anorak jaune et un sac rouge.
Ok, pas trop fils de riche, hein. Le mec, il a sa propre salle de bain, tranquillou. Il a même une machine à laver dans sa chambre, tranquille. Hein. Voilà. Oula, on est en hauteur, ça doit être un appartement plutôt. Ça, c'est le bureau, j'imagine, du père ou de la mère même. Le balcon. Donc on est bel et bien en hauteur. Ça ne fait rien. Ah, je crois avoir vu les parents qui se battent. On va aller les voir. Chambre des parents. Le canapé. Machin, machin, machin. Les parents qui se battent. Alors, ah là 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 là. Et donc il veut trouver un moyen de les arrêter. Donc j'ai l'impression que il va falloir chercher. On peut prendre des couteaux peut-être pour les buter. Ou sinon trouver un autre moyen pour qu'ils arrêtent de se battre. Et toutes les portes donc extérieures ont l'air d'être fermées. Donc c'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas grave. Hein. Et donc il doit y avoir un petit moyen de s'en sortir. On voit que la porte d'entrée aussi est fermée. Dommage. On va peut-être aller les revoir les parents. Oui, non, non, d'accord. Peut-être aller dans le bureau du père. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui peut nous aider. On y va, allez. On est parti. On arrive. Hop, il y a un petit truc là. Alors, non, rien. L'ordinateur est éteint. La chaise, peut-être. La chaise roule. Et la chaise tourne. Bon, ben, je vais essayer de résoudre ça tout seul. Et je vous encourage à télécharger le jeu, il est gratuit. Ça va être tout en fait pour cette petite vidéo parce que c'était qu'un petit test tranquillou. Donc je vous dis merci d'avoir regardé et surtout à la prochaine. Allez, ciao.